Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de ProGeek. Alors aujourd'hui on va vous parler d'une application sur smartphone qui vous permet d'effectuer des appels et avoir surtout un numéro qui vous permet de faire cela. Donc c'est un numéro américain et c'est une nouvelle application en fait qui vient d'être mise à disposition. Donc on a dit l'application, elle s'appelle Primo, que vous pourrez bien sûr trouver soit sur l'Apple Store, soit sur le Play Store, sans aucun problème, et pouvoir la télécharger bien sûr, afin de l'avoir. Du moment que vous l'avez, bien sûr, il faut s'enregistrer, ce qui est évident, et dès que vous êtes enregistré, vous avez, dans la partie en bas, vous voyez que actuellement je suis à 125 minutes. Mais dès que vous enregistrez, vous aurez 0 minutes à utiliser. Bien sûr, pour pouvoir effectuer ou augmenter les minutes que vous avez des missions dans la partie Rewards, donc sur lesquelles vous accédez. Actuellement, j'en ai plus, puisque j'ai déjà utilisé toutes les missions, d'où le fait que j'ai les 125 minutes en fait qui s'affichent sur l'application. Donc les missions en premier lieu, ils sont toutes simples. C'est par rapport en fait à l'activation du mobile hein, que vous utilisez, l'activation de son adresse mail, ajouter une photo, sa géolocalisation, et du moment que vous faites cela, ben tout simplement vous avez déjà gagné les 125 minutes que vous pouvez en fait et qui vous permettent en fait plutôt de pouvoir effectuer des appels. Donc c'est une application que je viens de tester et on va vérifier ensemble puisque je n'ai pas encore activé WhatsApp dessus. Donc on va aller tout simplement sur WhatsApp. Je suis déjà à la partie où j'ai mis le numéro en question. Donc on va pouvoir continuer ensemble pour qu'on puisse vérifier ce que ça va donner. Donc on attend un petit peu que ça mette la connexion avec le serveur. Et comme c'est une nouvelle application, donc le numéro en question est accepté par toutes les applications qui demandent un numéro de mobile. Ce qui est bien. Alors, on attend un petit peu. Donc voilà, ça nous affiche en fait comme quoi il faut vérifier le numéro en question. Donc on va faire OK. Donc, bien sûr, le SMS ne sera pas envoyé. Donc ça met, nous n'avons pas pu en fait envoyer le SMS. Bien sûr, on va valider. Et on va demander quand on nous appelle. Vous remarquerez que l'appel va aboutir directement sur l'application en question. Donc voilà, l'appel a été effectué. Vous avez remarqué que j'ai mentionné le numéro en fait que ça m'a indiqué. Et à présent, alors restaurez vos messages et fichiers médias à partir du stockage interne de votre téléphone. Si vous ne les restaurez pas maintenant, on va ignorer parce que je n'ai rien à voir. Et voilà, donc on est sur le profil en question, par exemple là. Et voilà, donc on peut faire suivant. Donc l'initialisation de WhatsApp en cours. Comme je disais, bien sûr, c'est une application que vous pouvez utiliser également pour faire des appels n'importe où dans le monde. Il n'y aura aucun problème sur ce point. On va bien sûr faire un test. Hein. Je vais prendre quelques minutes de ce que j'ai gagné pour qu'on puisse vérifier ensemble. Tout simplement. Alors, et voilà, donc on peut continuer. Et on est voilà donc sur la partie donc pour pouvoir avoir le contact. Donc si on va sur la partie statut, ce n'est pas le statut.
si on va sur les paramètres, on voit bien le numéro en fait en question qui s'affiche tout en bas et qui n'est pas bien sûr celui que j'utilise d'habitude. Voilà, donc on a terminé sur le côté WhatsApp. Et on va essayer de faire un appel. On va ajouter, alors, on va faire un... Comme c'est une nouvelle application, vous remarquez qu'il y a quelques bugs dessus, quelques petites lenteurs, hein, je dirais. Alors, voilà. Para continuar en español, marque asterisco o diga español. Voilà, donc comme vous remarquez... Please say one of the following. New service, order status, find a T-Mobile store, mobile internet, or if you have a T-Mobile number. On va voir combien ça a pris. Donc ça a pris une minute. Donc sur les 125, il me reste 124 minutes donc, à utiliser. Donc c'est une application que vous pouvez bien sûr vérifier et découvrir par vous-même. Donc je vous invite vivement à la télécharger et pouvoir en profiter. Pour l'instant, comme vous remarquez, il y a des parties rewards où vous pouvez en fait gagner des minutes. Je ne peux pas vous dire si ça va rester ainsi, si ça va devenir à 100% payant, mais en tout cas, tant que c'est possible, autant profiter. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous être utile surtout. Et n'hésitez pas de mentionner votre avis concernant la vidéo en question. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et portez-vous bien.